Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 15 mars 2022, 10h-7h du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que ça va mal. Ça va mal partout, puis ça va aller de plus en plus mal. Préparez-vous. Si vous pensiez que la pandémie était finie, je ne sais pas ce qui arrive. Soudainement, on nous reparle de ça et on nous prépare une autre vague. Et on va aller voir ça ensemble. On a la guerre en Ukraine drôle de guerre d'ailleurs, hein? les forces en présence ne sont pas vraiment euh, comparables, puis il semblerait que les Russes, euh, l'armée de Vladimir a de la difficulté à dominer ce qui semble être une, une guérilla, euh, vraiment un groupe de guérillas seulement armés de, de mitrailleuses et de lance-roquettes, c'est vraiment étonnant, avec toute la puissance que la Russie a au niveau de sa force militaire, autant euh, aérienne que navale, que terrestre, c'est à se demander s'il y a vraiment la volonté de vouloir, euh, du côté des Russes, euh, déclencher une, une vraie guerre. Une vraie guerre, c'est quelque chose de, de sanglant, hein? c'est quelque chose de... Destructeur. Là, c'est plus comme si on avait l'impression qu'on avançait euh, sur le bout des euh, orteils pour se rendre peut-être juste à un remplacement de gouvernement. Ce serait la volonté de, 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 du Kremlin, peut-être, se débarrasser de ce gouvernement qui semble plutôt euh, proactif, euh, Europe euh, de l'Ouest et OTAN, alors qu'on le sait, l'Ukraine est importante pour le Kremlin et euh, la Fédération de la Russie. Donc, on va voir comment ça va se développer, mais jusqu'à présent, c'est aberrant de voir que cette armée-là si puissante arrive à peine à, à selon les rapports qu'on a dans les médias, à avancer. Est-ce qu'on avance vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment? Je ne pense pas qu'on veuille euh, ravager ce pays-là. Hein? Je ne pense pas que ce soit des intentions. Mais c'est très, très bizarre. Honnêtement, c'est très bizarre et un autre aspect qui est très bizarre, c'est de voir les pays occidentaux, les Européens en tête avec Joe Biden, crier euh, et s'époumoner face à l'horreur de cette guerre-là. Toutes les guerres sont horribles, mais ne pas lever le petit doigt pour faire quoi que ce soit pour aider l'Ukraine. Tu comprends? On ne veut pas fermer euh, le ciel ukrainien, on ne veut pas envoyer de soldats, on ne veut pas envoyer vraiment d'armes non plus, ni d'avions. On avait parlé des MiG-16, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un expert en aviation, mais il n'y a rien qui se fait. Donc on crie, on crie aux meurtres, on, on monde, mais on ne met pas euh, les bottines. Les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit. Donc ça aussi, c'est étonnant. Est-ce qu'on a peur de la Russie? Finalement, on sait que la Russie est puissante puis on a peur de provoquer quelque chose, ou on, dans le fond, c'est juste tout ça, quelque chose qui devait arriver, puis qu'on avait planifié, mais devant lequel tout le monde est un peu inconfortable. L'Ukraine, il ne faut pas oublier que ça a été, pendant des années, puis ça l'est encore, le siège social de beaucoup de corruption de nos dirigeants. Beaucoup de corruption en Ukraine. Corruption acceptée. C'est pandémique, et on le sait... Euh, les oligarques russes, nos oligarques à nous, parce qu'on parle souvent des oligarques russes, mais je pense qu'on a nos oligarques à nous aussi. Et tout le monde euh, s'en donnait euh, à cœur joie en Ukraine parce que c'était comme un point de rencontre, une espèce de carrefour giratoire de toute la corruption européenne, entre autres. Puis c'était comme on ferme les yeux, tu sais, puis que tout est normal. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Ça semble être une guerre de pouvoir, plus une guerre pour essayer de reprendre le contrôle de ce Parlement-là, puis cette corruption-là, j'imagine, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très étrange. D'un côté, Vladimir, qui, avec une puissante armée, on le sait, hein, au fil des années, ils ont montré tout leur arsenal euh, technologique renouvelé, est incapable d'avancer devant une volonté, jusqu'à quel point une volonté peut stopper une armée puissante, je ne sais pas. Et derrière ça, les pays d'Europe, de l'Ouest, les États-Unis et le Canada et d'autres pays, à tous les jours, nous pour nous dire que c'est une horreur. C'est une horreur, mais n'a n'y pas un qui lève le petit doigt. Donc, très, 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 très bizarre. Pendant ce temps-là, je reviens avec cette pandémie. Qui n'est pas fini. On pensait que c'était fini, hein? Ben non, n'est pas fini. Imaginez-vous, Pfizer, le PDG, estime qu'une quatrième dose de vaccin de son entreprise est nécessaire. Ça, ça a été publié mardi le 14. Mars, et euh, par euh, CBS. Apparaissant dimanche sur Face the Nation, le chef de Pfizer, Albert Bouria, a déclaré à la présentatrice Margaret Brennan qu'il pense que le vaccin Pfizer sera nécessaire chaque année. Tout comme un vaccin contre la grippe est administré actuellement, il a ajouté qu'il pensait qu'un quatrième vaccin serait nécessaire pour prévenir les infections. « C'est nécessaire un quatrième rappel en ce moment, a déclaré Bourria. La protection que vous obtenez du troisième, c'est assez bon. En fait, assez bon pour les hospitalisations et les décès, hein, pour les réduire apparemment. Mais ce n'est pas si bon contre les infections. Mais cela ne dure pas très longtemps. » Mais nous ne faisons que soumettre ces données à la FDA et nous verrons ensuite ce que les experts diront également, ceux qui sont en dehors de Pfizer. Bourla a ensuite discuté de l'objectif de son entreprise de fabriquer un vaccin qui protégera contre toutes les variantes de COVID-19 à l'avenir et qui durera plus longtemps. Nous travaillons très assidûment en ce moment. Il s'agit de fabriquer non seulement un vaccin qui protégera contre toutes les variantes, y compris l'omicron, mais aussi quelque chose qui peut protéger pendant au moins un an, a déclaré Bourla. Et si nous pouvons y parvenir, alors je pense que c'est très facile à suivre et à retenir afin que nous puissions vraiment revenir à la façon dont nous vivions auparavant. Imaginez rien de moins. Pendant ce temps-là, Yahoo News nous rapporte que le Delta Cron, un hybride des variantes Delta et Omicron, commence à se faire voir partout. Alors que la dernière vague de coronavirus s'estompe, les responsables de la santé surveillent un nouveau méli-mélo des variantes Delta et Omicron surnommées DeltaCron par certains. Il s'agit essentiellement d'un mélange des deux variantes qui ont alimenté les vagues euh, de l'été dernier et de cet hiver. Donc, euh, je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais la Chine signale un record de 5280 cas. Nous rapporte des Economic Times, de Indiana, de India Times de l'Inde. La Chine a signalé mardi 5280 nouveaux cas de COVID, soit plus du double de la veille et le décompte quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. Rien de moins. La zone la plus touchée est la province du nord-est du Jilin ou Jilin, qui comptait plus de 3000 cas selon la Commission nationale de la santé. Mardi était le sixième jour consécutif où la Chine avait signalé plus de 1000 nouveaux cas de virus. La Chine a réussi à réprimer les épidémies à grande échelle grâce à sa stratégie stricte zéro COVID qui implique des verrouillages durs qui confinent d'énormes pans de la population à leur domicile. Au moins dix villes et comtés du pays ont été verrouillés en raison de la dernière poussée, y compris le centre technologique du sud de Shenzhen qui abrite 17 millions de personnes. Une épidémie dans les usines de Volkswagen dans la ville de Changchun, dans le nord-est du pays, a également incité trois sites à fermer lundi pendant au moins trois jours. Selon un porte-parole, diverses autres villes, dont Shanghai, ont bouclé des quartiers et des bâtiments. Les responsables de la santé ont averti que des restrictions plus strictes pourraient être en cours. Imaginez-vous. Waouh! Et euh, on va terminer. Euh, je pense que j'ai une petite dernière pour vous. Si je peux mettre euh, la main dessus. Et... Euh, Donnez-moi un instant, j'allais vous le chercher. Et en, on termine avec l'Europe où la fameuse euh, variante Delta Cron se fait voir aussi. Et on commence à voir et on prépare. Les personnes entièrement vaccinées auront besoin d'une quatrième dose. Hein. Et les, la prochaine vague en Europe a commencé, certains pays affichant une augmentation des admissions à l'hôpital. La prochaine vague en Europe. À commencer. Je sais pas, mais je peux vous dire une chose ça va mal. Puis la seule chose qu'on peut se faire promettre, et d'ailleurs, c'est la seule chose que nos politiciens sont capables de tenir comme promesse, c'est que, comme le disait Coluche, demain, ben on vous promet que ce sera pire qu'aujourd'hui. Je vous reviens.